Are you afraid? Are you afraid? Afraid of what? Are you afraid? Afraid of what? Afraid of the gangs. Gangs? Yeah. Because the gangs say the gangs say they are willing to fight. Are you afraid? They are willing to fight. The gangs are ready to fight. Are you afraid? No, they are not afraid. We are here to bring peace, not to fight. To bring peace. Not to fight. But are you gonna fight without it? You want us to fight? So are you gonna bring peace? How you can bring peace? How you can bring peace without fight? How you can bring it without fight? That's enough for today. D'accord. Ça te va, ça va? Yeah. I'm not here for guns, my friend. I can't have a message. Chers amis internautes, Michel Haïti, là, nous présentons directement devant le local ambassade des États-Unis. Et côté que nous remarquons la présence et police Kenya là, qui a sécurisé et tout périmètre et ambassade là. Nous ne connaissons vraiment et qui ça et qui mène directement là. Et c'est gagné une réunion et normalement qu'a fait dans l'ambassade là, mais seulement nous remarquons et présence policier Kenya là même qui a sécurisé et périmètre devant l'ambassade des États-Unis. Nous capable regarder là ces machines yo qui ont été venues avec là qui stationné dans parking ambassade là. Voilà. Police Kenya ou même yo positionné yo devant et local ambassade là pour capable sécuriser périmètre là. Nous pas connaît est-ce que c'est Rogradia qui vini dans réunion ensemble avec et ambassade là, mais là nous remarquons présence yo devant pour capable sécuriser périmètre là. Nous pas connaît est-ce que c'est en disposition qui permanent ou bien c'est provisoire. Mais nous ne connaissons pas pour combien de jours, mais seulement pour aujourd'hui, nous remarquons la présence et police Kenya là, ou même devant l'ambassade des États-Unis et sécuriser le périmètre là. Voilà. C'est ça qui a regardé. Welcome, Yafoué. You speak French? No, Michel Haïti, nous sommes capables de regarder. Et ça, c'est les policiers kenyans qui ont débarqué dans l'ambassade des États-Unis. Et côté, nous sommes capables de constater, nous sommes capables d'observer que ils sont sous poste devant l'ambassade. Nous ne connaissons pas si c'est dans l'objectif que ils sont présents
et devant local ambassade là, mais seulement nous remarquons la présence eux-mêmes qui a assuré sécurité périmètre et ambassade des États-Unis. Nous pas connaître, nous capable constater tout gagner plusieurs machines corps diplomatique qui a porté là, nous pas connaître est-ce que gagner une réunion officielle ensemble avec Obrade et notre tête police Kenya yo, mais seulement et nous j'ai information que yo débarqué devant ambassade et effectivement nous arrivé là, nous venir pour nous capable observer comment disposition yo y est devant ambassade des États-Unis. Voilà, c'est mes internautes Michel Haïti pour suivre et comment et ça y est devant l'ambassade là. Qui a fait effort nettoyer zone yo mes amis là yo a nettoyer zone yo comme ça c'est un message yo voyez by PM Garikoni pour dire comme ça que nous prêt commencer bataille là pas gain jour encore ce message ça yo a voyé l'a regardé ti machin yo dans la rue qui a relé en moi y a levé yo insécurité a en vogue. Si ma chan yo di pito yo te fin mette sécurité nan périmètre yo et puis laisse ça yo t'a pral lever yo kon sa li t'a bon parce que yo te ka sikile normalement mais l'on pa ko fè anyen et puis ou ap krasé a fè ti ma chan yo ça li même ou vin mette ti ma chan yo nan plus problème parce que yo pa capable fonctionner vraiment c'est sécurité a pour nous avant mes amis. M'pa pale trop, bon kito pou kapab tande porte-parole Premier ministre Garikoni ki t'a bay tout mot audio net. So ta remet tande a, c'est li ou pa le tande la. Si ou kite vidéo sa, ou pèdi en pile bagay. Espace commentaire, c'est pou ou lié en dialogue. An tande mes amis. Kon bay et chef de gouvernement yo ou bien et président yo et 100 jours. 100 jours de grâce, tant que yo di li. Maintenant, urgence que pays a gagné la vie aujourd'hui a. On n'a pas besoin de jours de grâce. Chaque jour doit être un jour de travail. Et le Premier ministre, dès que il est arrivé dans le PIA, le 1er juin dernier, il est venu premier, deux, il descend dans le centre-ville de Port-au-Prince. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de jours de grâce réellement, c'est-à-dire de jours de bénédiction pour voir ce qu'on peut faire ou pas. C'est au pied du mur qu'on reconnaît le vrai maçon. Donc, le Premier ministre, non seulement il est venu visiter le centre-ville Port-au-Prince et il mettait les au travail à travers des rencontres, que ce soit avec plusieurs secteurs de la vie nationale, secteur privé, secteur, s'il le faut, l'administration publique, pour nous dire secteur public là, de manière générale, notamment des membres de la communauté médiatique, pourquoi pas de la presse, la NMH, l'AMI, aussi des journalistes, tu as rencontré le Premier ministre, l'hypocrite officiellement, s'il le faut, investi de pouvoir aller. Donc, chemin faisant, il a rencontré également des membres de la diaspora, même avant cette mission officielle. Donc, ça, c'est le bilan de. C'est pour tu me parles de son bilan. C'est de cette parole que, s'il le faut, qu'on est en train de faire mention là. On est en train de faire mention de cette parole. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Mmh. C'est-à-dire, au-delà du jour de gratio, c'est des jours d'action. Nous réalisons ça nous-mêmes des jours d'action. 90 jours, ça, c'est des jours d'action que notre. Et peut-être parler du comme ça. Maintenant, investiture faite 12 juin, formation de gouvernement plus tôt, et après, le Premier ministre continue à travailler. Rencontre avec l'état-major des forces armées d'Haïti, rencontre spéciale avec le Conseil supérieur de la police nationale. C'est-à-dire, je vous dis, on n'a pas besoin de temps de grâce réellement, M. Théodore. Et comprendre le monde qui a une préoccupation, qui a dit, le Premier ministre a gagné un mois, qui ça qui fait, qui ça qui pas fait. Parce que le monde a passé des temps à attendre, il a sorti, il a trouvé une forme d'impatience. Et nous comprenons. Si vous posez une question, qui parole m'a porté aujourd'hui, c'est cette parole d'espoir. Nous disons, c'est vrai, il y a passé des années que il y a bailli menti et nous comprenons ça. Il y a passé des années que par a fait confiance à des dirigeants. Il y a passé des années côté que pas de monde qui comprend douleur, qui comprend difficulté ou qui comprend résilience. Jodia, nous avons une chance, il y a un monde qui a une forme d'empathie et de sympathie pour pas de population. On ne craint que cette parole d'espoir s'apparente aussi à de la propagande, puisque normalement, pour qu'il y ait action, on doit s'attendre aussi à des résultats. On ne peut pas dire que résultat trop bonheur. Non, je ne dis pas trop bonheur. Pourquoi? Parce que
malheureusement, en Haïti, nous n'avons pas gagné une culture de valorisation des petits gestes. Nous toujours même dit ça. Les grandes victoires se font de petites victoires. Là, pour exemple, ordinaire, et c'est peut-être ça me tape dit au début de l'émission, hein, Gressier, bandit pour un commissariat. Quelques heures plus tard, ministre Justice, qui fait office de Premier ministre AI, fait une déclaration qui dit que la police nationale a informé de situation et l'État pourra reprendre contrôle. Dans moins de 24 heures, l'État reprend le contrôle. C'est-à-dire, c'est peut-être pas assez immense dans Sanavé de Josia. 80% de la région métropolitaine de Port-au-Prince est encerclée par des regroupements criminels. Nous comprenons ça. Entre nord, entre sud, nous ne pas capable de voyager. Madame Sarah n'est pas capable de fonctionner. Si nous ne pas capable aller à l'école, femme enceinte n'est pas capable accoucher. L'hôpital n'est pas fonctionné. Palais national est presque inopérationnel. Oui, s'il le faut, nous pas comprendre que ce petit geste, monsieur Théodore, si vous le permettez, n'est pas suffisant. Non, mais j'allais vous dire, monsieur Desaugustes, nous sommes au courant de tout cela. Nous sommes au courant que le pays est paralysé depuis plusieurs mois. Nous attendons de voir le Premier ministre à l'œuvre. Nous attendons de voir le Premier ministre produire des résultats. Mais pas nous rappeler que la capitale est paralysée, puisque tout le monde le sait. On est déjà au courant, M. Desaugustes. Très bien. Et voici ce qui arrive. On t'a dit ça. Sacrivé Grissier, on t'a dit que c'est peut-être pas aussi immense que sa population en Tapton. Parce que nous faisons trop de temps pas gagner des actions concrètes qui fait. Même si vous voulez attirer attention, mais aussi et surtout attention, auditoire métropole, la peuple haïtien sous ça, c'est que les grandes victoires se font de petites victoires. Et moi, je voulais saluer dans le nom du Premier ministre, la police nationale de manière générale, mais aussi et surtout les unités spécialisées qui reprennent contrôle au commissariat pour rappeler que l'État est là. Et dans le discours du Premier ministre, il dit chaque jour, l'État vient pour reprendre contrôle. Caille par caille, quartier par quartier et ville par ville. Et ceci n'est pas seulement une parole, ce n'est pas seulement une déclaration. C'est une annonce de renaissance. S'il le faut, une annonce de remise en confiance de l'haïtien dans l'haïtien. Je veux dire, il y a un problème qui vient, M. Théodore, haïtien pas fait haïtien confiance. Haïtien pas fait Haïti confiance. Et c'est ça qui fait que, ouais, première opportunité qui vient pour Haïtiens qui étaient à Haïti ou qui étaient nés. Mais nous avons besoin de parole d'espoir, ça, aussi longtemps que possible, pour ne pas les lire, pour que nous soyons capables de comprendre qu'au-delà de l'espoir, on peut agir aussi pour construire la vie. Est-ce qu'on passe sous route, fait abus de cette parole d'espoir? Parce que il semblait un peu à ça qu'on dit en créole, l'espoir fait vivre. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui doit patauger là dans la misère, mais il y a un petit espoir, que un petit goût de l'eau est capable de balayer. Est-ce que, parce que là, son population qui a bout de souffle, Jean-Jules Desaugustes. C'est bien mes questions. On n'a pas besoin d'espoir, on a besoin d'action et de résultats aujourd'hui, parce que nous ne sommes pas capables encore d'obtenir. Parce que l'espoir, on dit, l'espoir fait vivre. Et Haïtien, on a dit, pas non plus. Est-ce qu'on comprend, moi, M. Desaugustes? Je comprends très bien, mais après, exemple, sur moi, je ne suis pas là pour parler de moi, mais je prends l'exemple sur moi, parce que les exemples en vivant, dit-on, sont d'un autre pouvoir. Une pitié, nous lever nos familles, c'est nous les misérables. Nous avons seul espoir, aller à l'école. Et m'aller à l'école, m'étudier, me traverser classe. Non, où est-ce objectif? Parce qu'on connaît qui est l'école, qui est l'école là qui mène. L'objectif naît de l'espoir, M. Théodore. Oui, mais pas dans tous les cas. Dans tous les cas. Comment? L'espoir actif. J'appelle ça l'espoir actif. Mm-hmm. Ce n'est pas un monde d'après vous dire l'école qui a gratté senti. Son petit monde qui le vit, qui comprend que pour réussir, il faut travailler, si vous me le permettez. Non, mais on pas arriver au crime côté tout, sous pas l'école, sous pas apprendre. C'est l'espoir qui vous permet de croire. Donc, sauf de volonté, sauf de détermination. La volonté naît de l'espoir. La volonté naît de l'espoir. Maintenant, c'est au nom de cet espoir, M. Théodore, que le Premier ministre, à la tête d'une mission officielle, d'aller aux États-Unis. C'est sa première mission en tant que Premier ministre, avec une délégation de Saudi-Arabie, qui constituait deux ministres des Affaires étrangères et des cultes qui aussi occupaient portefeuille ministériel, MAV, qui c'est ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, Mme Dominique Dupuis. Il est accompagné également de Mme Kathleen Florestal, qui c'est ministre donc, de l'économie et des finances, qui également occupait portefeuille ministère donc, de la coopération externe et de la planification et de la coopération externe. Il est accompagné du gouverneur de la Banque centrale. Donc,
qui c'est un personnage clé donc, pour le monde économique de manière générale, mais pour Haïti de manière particulière. Mm-hmm. Donc, mission Sahara, ça vous permet... Ça vous fait combien de ministres à l'étranger ? Deux, officiellement. Deux, officiellement ? Oui. Deux, accompagnés du Premier ministre. Oui. Parce que c'est deux ministres. Non. Mais attends. Qui occupaient quatre portefeuilles. Ah, ben deux oui. ministres. Ce n'est pas quatre mm-hmm. ministres, c'est deux ministres qui occupaient quatre portefeuilles. Non, je me dis combien ? Ça, on pose la question. Donc, ça vous fait combien de ministres ? Deux ministres. Mais combien de ministères représentés quatre à l'étranger ? Ministères. Quatre ministères. Mais deux ministres. En disant, pour ça, pas dire plus que ça, parce que le Premier ministre est aussi ministre de l'Intérieur. Peut-être, oui, là, vous avez raison. Maintenant, pour nous retourner sur les missions, M. Théodore, mission ça, elle est cruciale et importante en pile pour le pays. Il y a plusieurs arguments qui font ça. D'abord, ils permettent que Haïti voie l'autre message, ben, partenaire financier. Ou bien institutions financières internationales. Là, nous parlons de Banque mondiale, nous parlons de Fonds monétaire international, nous parlons également de Banque interaméricaine de développement, qui d'ailleurs, heureusement, promettent une enveloppe de 40 millions de dollars à Haïti. Donc, grâce à moyen ça, Premier ministre avec les membres du gouvernement, certainement de concert avec le Conseil présidentiel de transition, il parle d'une opportunité pour redéfinir ou aligner davantage les éléments basiques de la feuille de route donc, qui est constituée Transition Sahara. Le Premier ministre a rencontré tous les représentants de l'institution Sahara déjà. Et le Premier ministre a également rencontré le secrétaire général donc, de l'Organisation des États américains, qui lui-même tout promet appui à PIA dans le cadre du renforcement de l'état de droit et de la démocratie en Haïti, de l'organisation des élections et s'il le faut du rétablissement de la sécurité dans le PIA. Le Premier ministre rencontré des membres de la communauté haïtienne, en tout cas la diaspora, qui a vivre aux États-Unis notamment. Donc, nous-mêmes, tant que nous faisons partie de feuilles de route, pourquoi pas de mission, ça concerne le Premier ministre, dans le cadre de rétablissement, s'il le faut, de la confiance, de la sécurité, du redressement économique, ici également des grands chantiers de la transition. Le rencontre de la diaspora pour lui communiquer, échanger avec eux sur la situation sociopolitique et socio-sécuritaire actuelle d'Haïti. Mais la rencontre clé est importante que nous le soulignions matin, hein, c'est la rencontre que le Premier ministre Dr. Gary Conney fait avec le secrétaire d'État américain Antony Blinken. C'était certainement l'opportunité pour que le Premier ministre et font échange, ça nous relève en leadership politique, là, un échange crucial avec le secrétaire d'État américain Antony Blinken qui, au premier degré, était impliqué dans la résolution de la crise actuelle. Pour qui ça nous dit ça? Parce que à la Jamaïque, à Kingston, le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, était lui-même prend leadership, rencontre cruciale, ça que tu as fait autour d'Haïti avec les membres de la communauté de la Caraïbe, notamment, mais aussi et surtout des représentants de la France, des représentants du Canada et d'autres pays partenaires, donc amis d'Haïti. Et le secrétaire d'État lui-même, il était en personne présent à cette rencontre qu'il a d'ailleurs présidée. Et c'était peut-être l'opportunité pour le Premier ministre pour échanger sous feuille de route gouvernement avec le secrétaire d'État et américain, qui d'ailleurs félicitait le peuple haïtien. Il faut le souligner, pour sa résilience d'une part, mais les leaders sociopolitiques d'Haïti pour leur capacité à procéder à ce dépassement de soi. Parce que je dis, même si tout le monde est capable de dire n'importe quoi de ça qu'a fait là, il y a un message clair, un symbole, il y a une image forte de la solidarité, de la cohésion que acteurs politiques, vous voyez. On a pris un exemple sur les 9 représentants du Conseil présidentiel de transition. Ils sont sortis d'horizons divers, M. Théodore. C'est des groupes ou des partis politiques qui, hier, étaient pour le souterrain, il y en a brumé contre l'autre. D'une part, le Premier ministre lui-même, qui n'a pas fait partie d'aucun de ces partis politiques, d'aucune de ces organisations sociopolitiques, il arrivait voter à l'unanimité. Et le secrétaire d'État américain, très sensible à ça, il dit voyez félicitations, le peuple haïtien, à travers le docteur Gary Conney, qui est Premier ministre et PIA. Donc, dans la discussion, dans l'échange, les États-Unis qui sont partenaires clés et phares historiques du pays d'Haïti, et le secrétaire d'État américain a annoncé appui, donc, pays lié à Haïti dans le cadre de restauration de la démocratie, de l'état de droit, mais aussi et surtout de l'organisation des élections. Mmh. Et l'autre activité ou cérémonie clé et phare, c'est la participation du Premier ministre Dr. Gary Conning, donc hier à cette réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies que nous connaissons, qui est voté ou bien qui a endossé
mission multinationale de soutien à sécurité et premier ministre l'était parlé dans cérémonie ça hier pour lui présenter situation sociopolitique chaotique pays a mais encore remercier la communauté internationale et espérer davantage. On en a fait l'appui de la communauté internationale. On en a fait état ce matin, on en a fait état ce matin dans les nouvelles, monsieur Jean-Jules Les Augustes, et nous vous en remercions. Et non, vous n'avez pas à me remercier pour ça, c'est le travail. Donc quand même monsieur Les Augustes, dites-moi, on rapporte qu'il y aurait malentendu ou une mésentente entre le CPT et le Premier ministre Garry Conille. Ce dernier, dont vous êtes le porte-parole, n'aurait pas notifié formellement, convenablement et correctement les membres du CPT de sa visite à l'étranger, visite officielle. Qui parole Premier ministre gagnait par rapport à ça, qui a circulé depuis plus de 72 heures, que M. Garry Conille n'a pas informé M. CPTO du voyage qu'il a fait aux États-Unis. Qui soit gagné ou même qui a montré le contraire, prouvé le contraire, ou bien est-ce que c'est normal, si ça fait vrai, est-ce que c'est normal? Bien, mais nuance là, bémol là, si ça fait vrai. Mais Jean-Jules Auguste, vous avez quand même votre ancien collaborateur avec, en face de vous. Et je comprends, M. Théodore. On y va pour la réponse. Premier barème, M. Tahamedi, gouvernement de manière générale, Dr. Garry Conille de manière particulière, comme chef du gouvernement, développer de très bons rapports avec les membres du Conseil présidentiel de transition. En Haïti, nous-mêmes, il y a des réponses oui, non. Mais ça ne peut pas se faire comme ça en politique, surtout quand on est face à une crise globale. Premier ministre choisi par le Conseil présidentiel de transition. Feuille de route là, qui est dans l'accord 3 avril là, c'est le Conseil présidentiel de transition hein, qui endosse évidemment après la rédaction, concertation des partis politiques, des organisations politiques qui désignaient les membres du Conseil présidentiel à l'intérieur de la structure. Tout ce que fait, tout ce que dit le Premier ministre, il le fait, il le dit en parfaite cohésion avec l'accord du 3 avril, qui c'est jeudi à cadre formel et légal de cette transition qui doit durer 2 ans. Josia, nous pas non espace ni non circonstance côté que n'a cherché faire du détail des montagnes. Premier ministre en communication constante et parfaite avec les membres du Conseil présidentiel de transition. Je peux en témoigner comme son porte-parole et je le fais aujourd'hui. Il y a mon cap dit pas une communication formelle, mais bien sûr que oui, il y a une. Le Premier ministre ne se représente pas aux États-Unis avec ses ministres autour de lui, avec le gouverneur de la Banque centrale. Il représente le pays, donc il représente le Conseil présidentiel de transition aussi, parce que je dis à acteurs politiques que M. Théodore Tabgoumen, pendant longtemps, ont exécutif à deux têtes, et c'en est le cas. Le Premier ministre est au service du pays, de concert avec le Conseil présidentiel de transition, c'est-à-dire ce qu'il va faire aux États-Unis, cette mission qu'il va accomplir et remplir aussi, l'appel au Conseil présidentiel de transition, l'appel pour PIA. Je dis à Fortnon, nous-mêmes, comme journalistes, même si nous, je suis journaliste, on meurt journaliste, mais la population, même t'as pas invité, pas arrêté sous détail que Moon a venu avec eux comme des rumeurs. Le diable est dans les détails. Mais quand même, on fait confiance. Dieu aussi est dans les détails. On fait confiance quand même à un journaliste, puisqu'on parlait de journaliste, on fait confiance à un journaliste en cours, Franz Duval, par exemple. Qu'est-ce qu'on a dit dans cet article? C'est que le Premier ministre écrit à des conseillers. Mm-hmm. À quelle heure? Avant son départ. Avant son départ? Avant son départ. Quelques heures avant son départ ou bien 2 jours avant son départ? Maintenant, si on a parlé d'une question de temps, de l'heure, mais on se dit que le Premier ministre n'a pas communiqué, pas informé. N'aurait pas notifié. Aujourd'hui, dit. Vous êtes spécialiste en journalisme, d'expérience, journaliste senior. Il y a plusieurs couloirs de communication, M. Théodore. Plusieurs couloirs de communication. Mm-hmm. Est-ce que la communication n'a pas été faite ou est-ce qu'elle a été faite? Et pourquoi il y a des protestations, des réactions de la part des membres du CPT si tout avait été fait selon les normes? Vous savez, il y a 9 membres au sein du Conseil présidentiel de transition, M. Théodore. Dans la communication institutionnelle, il y a ce qu'on appelle la hiérarchisation de la communication. J'ai fait cette expérience avec vous. Ça peut arriver que M. Richard Rudmayer boit une information par peut-être
préoccupation par autre ou capable d'être descendre information on capable d'être au courant lorsque nous avons secondé dans la salle des nouvelles là mais n'était pas me penser que monsieur Richard Woodmayer pas de bonne information ça pourrait dire ah, monsieur déjà te dit ça oui c'est moi qui t'ai oublié ça arrive dans la chaîne de la communication je ne suis pas en train d'accuser les membres du conseil présidentiel de transition que je connais personnellement certains d'entre eux mais je vais vous dire et encore moins c'est de personne encore moins vous n'êtes pas en train de défendre le gouvernement. J'aurais le droit de défendre le gouvernement, en partie parce que je suis le porte-parole du Premier ministre. Mais ce n'est pas ce que je fais. Je vous attends d'analyser avec vous une situation qui représenterait un détail, vraiment. Non, vous êtes sûr que ça fait partie des attributions du porte-parole, défendre le gouvernement défendre non, le Premier ministre, je vous dis, parce que je suis le porte-parole du Premier ministre, et le Premier ministre est là pour parler au nom du gouvernement. Quand je parle au nom du Premier ministre. Je suis à preuve du contraire. On ne sait pas combien d'heures et combien de jours ça va durer. En tout cas, je reste équilibré avec mes pieds sur terre dans ce que je fais. Je vais vous le dire, et j'en suis conscient. Maintenant, M. Théodore, aujourd'hui, est-ce qu'on va faire de ces détails des montagnes? Non. Moi-même, je proposerai à la population de ne pas en faire des montagnes. Pourquoi? De quoi il s'agit aujourd'hui? Il s'agit d'un peuple qui est à l'agonie, M. Théodore. Vous allez me dire qu'on le sait déjà, mais il faut se le rappeler à chaque fois. Il s'agit des enfants qui ne peuvent pas se rendre à l'école. Il s'agit des femmes enceintes qui n'ont pas d'hôpitaux où mettre au monde leurs enfants. Permettez que je fasse ce rappel, c'est important. Non, j'allais ajouter qu'il y a aussi des... Il s'agit des hommes et des femmes qui ne peuvent pas voyager. Il y a aussi des milliers de déplacés qui sont encore là. Des milliers de déplacés qui sont encore là, vous l'avez bien dit. Mais je pensais que les premières actions du gouvernement devraient être consacrées, auraient pu être consacrées à ce genre de dossiers prioritaires. Mais comment se consacrer à ce genre de dossiers prioritaires sous pas les moyens, M. Théodore? C'est ce que le Premier ministre va faire. Il est parti à la recherche des moyens politiques, des moyens diplomatiques, des moyens stratégiques, des moyens surtout économiques, mais aussi et surtout des moyens sécuritaires. En rencontrant les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, en s'adressant aux nations, et j'en profite pour remercier la solidarité des nations, notamment des Nations Unies, envers Haïti. Hier, dans la cérémonie, dans la réunion spéciale, ça, nous t'attendons. Ils ont tout percé comme des Haïtiens parce que le peuple haïtien vit. Maintenant, est-ce qu'on peut s'attarder sur un détail qui, s'il existait, capable de noyer poisson en? Pourquoi ne pas mettre l'accent sur ce sacrifice personnel, institutionnel, pourquoi pas, que ministère fait dans la conjoncture si exceptionnel. Moi-même, pensais que je dis, c'est ce que j'avais. Pendant que fait mission ça avec moi là, Monsieur Théodore, sous ta connaît que gagne des organisations qui gagnent des représentants ou dans CPT1 qui fait quoi que le Premier ministre ne respecte pas l'accord du 3 avril. Qui est-ce que tu as dit, sous ta prendre une information comme ça? Je veux juste dire que l'accord 3 avril là, c'est lui-même qui cadre légal transition. Si vous pensez ça, il a présenté argumentaire. Et si l'argumentaire est solide, je ne vais pas pour me dire. Si c'est le cas. Ou bien information pour qu'il ne soit pas jamais publié dans le moniteur. Ça a demandé peut-être aux membres du Conseil présidentiel de transition, monsieur. Donc vous n'avez pas cette réponse. Demandez peut-être poser non, la question. Non, je vous dis que vous n'avez pas. J'affirme que vous n'avez pas cette réponse. Ben, vous questionnez, mais si vous affirmez, là, il y a un problème, monsieur Théodore. Non, à partir de ce que vous dites. Non, mais si vous dites que. Si vous me référez auprès du CPT, alors que je vous dis qu'il y a une organisation qui a un représentant au sein du CPT et qui affirme ou révèle que le Premier ministre ne respecte pas l'accord du 3 avril, vous me dites d'aller... Non, ce n'est pas cette question que j'ai répondu. Vous me dites que pour qui ça, l'accord 3 avril n'a pas publié, et bien, nous poser question ça à membre conseil présidentiel là. Et moi-même, moi, je dis qui ça? Nous constatons à l'heure, si ils ont dit que le Premier ministre n'a pas respecté l'accord 3 avril là, je dis que ça, présenter des arguments. Et si l'argument est solide, je m'en tiens au fait. C'est uniquement lorsque vous me demandez, vous me questionnez, vous dites que l'accord 3 avril n'a pas publié, nous questionner les membres du conseil présidentiel de transition. Donc ils sont les seuls à avoir des réponses relatives. Monsieur Théodore, non, je vous pose la question. Est-ce que les membres du CPT sont les seuls, selon vous, à avoir cette réponse? Est-ce que le Premier ministre n'a rien à voir avec l'accord? Le rappel que je peux vous faire, Monsieur Théodore, à cette émission, le Premier ministre est le chef du gouvernement. Les membres du conseil présidentiel de transition constituent la présidence, donc le président. Ils ont des prérogatives présidentielles, et vous le savez.
Et je ne suis pas là pour parler du Conseil présidentiel de transition, parce que s'il y a à suivre, le Tralazim, à quel titre ? À quel, qui doit bien, de quel droit, à quel titre ? C'est-à-dire, épargnez-moi ce rappel ou cette remontrance, M. Théodore. Parlons. Non, 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 je ne souhaite pas ça. Non, parlons de la mission du Premier ministre, parlons peut-être de la sécurité, parlons des élections, parlons de l'organisation de la réforme, parlons aussi de la conférence nationale, parlons des grands chantiers et de la transition. Et c'est ce dont je peux parler et parlons surtout du discours du Premier ministre dans le cadre de la feuille de route du gouvernement dont il est le chef aujourd'hui. Nous devons nous entendre sur un point, Jean-Joël Desaugustes. Vous n'allez pas me dire exactement voilà ce dont je dois parler, quand même. Peut-être on a eu, en ce sens, on appelle ça apportacit dans notre métier. Oui. On est venu pour parler des points spécifiques. Du gouvernement. C'est-à-dire s'il y a des points dont je ne suis pas au courant. En général, j'accorde quelques minutes à mes invités pour qu'ils disent ce qu'ils veulent. D'ailleurs, je l'ai fait au début, quand je vous ai dit de vous trouver trois questions que vous pourriez vous poser si vous étiez à ma place, alors que vous étiez journaliste. 4 juillet, c'est journée des Américains, aussi, ou pas Américains, ou pas un passeport américain, donc même besoin de bonne fête. C'est pas nécessaire. Peut-être, bon, prendre quelques secondes, surtout introduire dans la deuxième partie, pour saluer l'indépendance américaine dans le nom du Premier ministre, Dr. Gary Conning, pour nous dire des États-Unis merci et pour amitié envers Haïti, pour solidarité envers PIA dans certaines circonstances bien spécifiques, dans les moments les plus cruciaux de notre histoire. Donc, c'est un partenaire historique de vieille date d'Haïti qui, je vous dis, a fêté, donc, si vous voulez, le jour de l'indépendance. Nous voulons dire que, de même que lié avec le peuple haïtien, et peuple haïtien avec les taux. Et ces paroles, c'est au nom du Premier ministre, Dr. Gary Conning, que nous prononçons envers nos amis américains, mais aussi et surtout envers l'Amérique, de manière générale. Jean-Jules Desauguste. Monsieur Théodore. Au cours de la première... Alors, Monsieur Desauguste, au cours de la première partie de l'émission, vous avez évoqué les grands chantiers. Jeudi, le moment que n'a pas allé là... Il est vrai que les Kenyans sont ici, des Kenyans, en tout cas, une première cohorte qui est en Haïti. Parmi les chantiers, nous avons dit qu'il y a sécurité. Ça, nous avons fait discussion ça déjà ensemble. Et je ne sais pas dire que ce n'est pas ça, que c'est le contraire. Sécurité pour les élections, pour la réalisation des élections. Parce qu'il ne faut pas renouveler le personnel politique, mais il nous faudra des élus. Après ça, ou bien, même si c'est parallèlement, nous sommes capables de parler de la vie chère, nous sommes capables de parler de monde qui perd du job, de entreprises dans le pays qui étaient décapitalisées au cours de ces 3 dernières années. Tout ça m'a dit là. Il n'est pas capable de faire partie d'un plan global de une équipe monde qui décide de créer confiance, créer l'espoir, pour me répéter le mot là. Merci. Créer l'espoir pour pays changer visage, changer figure. On prend première, on prend sécurité. En dehors de ça, le Premier ministre a annoncé là-bas, qui ça? Que Haïti on a le connaît sous disposition qu'a prend aujourd'hui hein, pour garantir sécurité ou encore pour rétablir la sécurité en Haïti. Ok. Merci pour vos questions. Et m'a fait des rappels importants. Pour la population comprendre que d'abord le pape Contio et le gouvernement, notamment Dr. Gary Conning, pape fait pas sur place. Quelques jours après l'investiture du gouvernement, il y a une action forte qui prend, c'est que de concert avec le Conseil présidentiel de transition, changement en tête de police nationale a fait. Il y a un nouveau directeur général pour en reine police nationale. Dans le département de l'Ouest, DDO 1, DDO 2, nous changer donc leadership là également. Au saut de palais de présence, premier contingent des Kenyans qui est sur place,
c'est aussi une action dans le cadre des stratégies de la mise en place pour la résolution donc, de la crise sécuritaire. Plus d'une rencontre organisée également, que ce soit avec les membres du Conseil supérieur de la police nationale, le CSPN, que le Premier ministre a présidé, que ce soit avec le haut état-major donc des forces armées d'Haïti, et permettre aussi que nous retournions sous mission que le gouvernement, notamment le Premier ministre, avec les ministres et le gouverneur de la Banque centrale affaires aux États-Unis, participation du Premier ministre, intervention notamment dans la réunion du Conseil de sécurité ONU hier, entrer en droite ligne à stratégie, j'ai bien dit, que le gouvernement, de concert avec le Conseil présidentiel, a mis en place pour résoudre la crise sécuritaire. Nous connaissons que la population a besoin d'action. Sa nouvelle action, il y a besoin d'entendre tel chef de gang mourir à gauche, tel chef de gang mourir à droite, tel regroupement criminel démantelé à gauche, tel regroupement criminel démantelé à droite. Étant donné que les chefs de gang ont tué aussi, étant donné que les chefs de gang ont occupé des territoires depuis plusieurs années, donc c'est peut-être une raison fait que grand le monde capte ça. Et il y a une raison. Ou mettre continuer. Pour une bonne raison, il y a une raison. Je reprends le mot. Il y a une raison. Mais ça, nous voulons partager avec vous. L'État, en tant que structure qui détenir monopole légitime de la violence, ou bien monopole de la violence légitime, pas qu'à agir par émotion. L'État pas qu'à agir par émotion. L'État doit tout le monde protection. Parce que malheureusement, configuration géographique du climat insécurité, M. Théodore, est étroitement liée avec des membres de la population. C'est-à-dire, avant l'action, il faut de la réflexion. Vous te posez une question, qui s'est fait sur le plan sécuritaire? On est au niveau de la stratégie. On n'a pas annoncé à quelle heure, quel jour, que la police reprendrait le commissariat de Grissier. Mais c'était ça qui a peut-être représenté un goutte d'eau dans l'océan. Nous comprenons ça. Même les dit que... Oh, tu permets un petit rappel aussi, non? Allez-y, M. Okay. Théodore. Le ministre de la Justice avait dit tout le bagage va retourner dans l'ordre sous peu. Sous peu. Ce n'est pas une date. Il n'y a pas de précision. La stratégie, dans la stratégie, on ne peut pas donner de précision à l'ennemi. On est en guerre aujourd'hui. Ce sont des regroupements criminels, des terroristes qui empêchent, si nous voulons, la vie, qui empêchent l'éducation, qui empêchent la santé. Rappelle ça au bon pour nous faire, pour que personne pas prétexter ignorance ni oubli. Oui, mais stratégie ça. Qu'il est là pour implémenter, je ne pourrais pas vous dire. C'est sûr. Je serais irresponsable de ma part. Très bien. Vous le dire. Donc, ça prendra le temps qu'il faudra. Seul ça nous connaît, notre temps qui tout coûte, population après commencer à nous sauver. Parce que je vous dis, une question de jour, de semaine ou de mois? C'est une question de temps, M. Théodore. Bon, ça, c'est vaste et c'est relatif. Vous le savez. On est en guerre et la stratégie militaire l'exige. Je ne suis pas spécialiste. Je ne suis pas d'armes, en gestion de la sécurité. Je ne le suis pas non plus. Mais au moins, j'apprends. Je comprends. Je ne le suis pas non plus. Ça prendra le temps qu'il faut. C'est une question de temps. Pour vous répéter. Et là, on risque de sombrer dans la confusion et nous risquer tout. Mais les gens qui suivent nous tout dans la même confusion. Il n'y aura pas de confusion. Aujourd'hui, nous reconnaissons les ennemis. Nous connaissons, nous connaissons côté et nous connaissons qui savent faire. Et pour qui ça ne bat attaquer yo? Si nous compte côté, si nous reconnaître yo, si nous identifier yo. Monsieur Théodore, l'attaque par objet physique. Laissez-moi vous partager une compréhension. La peur a changé de camp aujourd'hui. Vous partez des discours bandits yo? Oui, vous tendez yo. On a avancé. Non, mais c'est sûr, la peur a changé de camp. Et c'est déjà un grand pas mais dans la cas, résolution fait, de la crise. Ça fait si, c'est le contraire, oui, que le traduit. C'est le chant du cygne. Les bêtes là pour le mourir, ils cavent plus méchant. Nous cap comprendre ça. Et ça, c'est psychologique. Je vous dis, à grand-père, il y a plein qui m'a demandé pour parler avec eux. Ils n'ont pas demandé ça hier. Donc parce qu'ils ont peur. La peur, mon vieux. Excusez-moi, j'ai dit mon vieux, mais monsieur Théodore. Non. La peur. Ça se comprend. Écoute, ça se comprend. La peur a changé de camp. C'est déjà beaucoup, et je le dis avec fermeté. Je dis,
Il y a des gens qui ont empêché les gens de dormir tellement attirés dans des zones. Je connais que le gouvernement a repéré et le nouveau directeur général pour l'État a repéré, c'est-à-dire les bourreaux vont devoir choisir entre la prison ou la mort. Ce n'est pas moi qui dis. Son théorie éternelle, avec ou sans le titre de porte-parole du Premier ministre, c'est évident. Lorsque on freine la loi, dans le niveau de criminalité, ça, c'est la prison ou la mort. Bon, on s'explique à son tour, parce que le Premier ministre a dit il paraît pour le dialoguer avec M. Yo, mais il pose quelques conditions. Bon, on s'explique à son tour, ça. Il y a une bonne ambiguïté, une bonne confusion qu'a faite dans ça. Le Premier ministre n'a pas jamais dit que il paraît pour dialoguer. Le Premier ministre n'a pas jamais prononcé parole, ça, M. Théodore. Le Premier ministre a dit, puisque il y a des cap mandé dialoguer, il y a déposé Zamio, il y a remettre Zamio, il y a reconnaître l'autorité de l'État. Le reste viendra après. Le reste peut être n'importe quoi. Je dis à M. Théodore. Donc là, tu mets ça sous le compte d'une mésinterprétation des propos tenus par le Premier ministre. Je comprends cette mésinterprétation. Je comprends cette confusion. Mais je suis là aussi pour apporter cette lumière, cet éclaircissement aussi, dans le cadre de ma mission, M. Théodore. Je ne pas même condamner Mounsayo, parce que je n'ai jamais souhaité que des bandits chita sous même table avec des autorités à discuter. Et ça, sous gouvernement, ça, par quoi ça fait partie de l'agenda? Non. Maintenant, il y a une nuance que vous voulez porter pour vous. Quand je dis vous, je parle à l'auditoire, je parle au peuple aussi. Nous sommes dans un état de droit, il ne faut pas l'oublier. En dépit de tout ça que le pays a connu, nous sommes dans un état de droit. Nous ne sommes pas seuls au monde. Si vous n'avez pas en flagrant délit, vous n'avez pas passer code dans la rue. Ça, c'est la loi. Ce n'est pas moi qui dis. C'est conformément à la loi que vous avez fait. Même sur les Wendell Théodore, tout le monde connaît où, la police, etc. C'est un policier peut-être soumis qui parle. Non. J'en fais l'éloge. Mais si un policier a prêté où, l'a prêté où, l'a parlé avant. Monsieur, vos papiers, votre licence, etc. etc. Si vous avez une infraction que vous avez commettre et que l'infraction ça t'a souhaité ou bien t'a exigé une arrestation, bon, par exemple, un malfrat, un monde qui est en contrevenant à la loi, que sa policier a fait, l'a dit monsieur, ou en état d'arrestation. Ou pas qu'il doit faire réticence. Sous besoin parler, ou capable de faire appel à l'avocat ou, bon, je n'ai pas le jargon, la phrase formelle, etc. Mais on s'adresse à même monde qui boit dans certaines circonstances. C'est-à-dire, il faut que mon yo pas penser que parole Premier ministre de uniquement une parole d'anarchie. Non. C'est un Premier ministre qui parle. Et il doit parler en toute réserve et en respectant la loi. Déposer les armes, reconnaître l'autorité de l'État. Et on verra. On verra quoi? La prison est là. On verra quoi? Si vous ne voulez pas obtempérer et coopérer, il y a la mission multinationale qui viendra aider la police nationale et les forces armées d'Haïti. C'est-à-dire, je dis, nous pas qu'à, si nous voulons, laisser nous prendre en piège de ça, Aurélie, mes interprétations, confusion ou pas, pour nous bailler des bénéfices de doute à des criminels. On doit choisir son camp. Il s'agit de la guerre. Il n'y a pas à sortir de là. Soit on est du côté des victimes, soit on est du côté des bourreaux. C'est la guerre. Et aujourd'hui, dans la presse, le journalisme que j'ai pratiqué pendant ces 20 dernières années, il y a ce qu'on appelle l'honnêteté, au-delà de l'objectivité. Choisir l'angle de traitement de son reportage. Choisir quel sujet traiter. Choisir vers qui aller. C'est une forme d'empathie, c'est une forme de service à la communauté. Et c'est ce que vous faites aujourd'hui encore, M. Théodore. Choisir ne pas être gentil au regroupement criminel. On doit choisir son camp. Soit on est du côté des victimes, soit on est du côté des bourreaux. Non. Et je parle au nom du Premier ministre en ce sens, nous sommes du côté des victimes. Nous sommes du côté de ces femmes enceintes, de ces enfants violés. Nous sommes du côté de ces enfants qui ne peuvent pas aller à l'école. Nous sommes du côté de Saint-Madame Sarah, je suis le fils de Madame Sarah, et je le dis, qui n'est pas capable de voyager.
Nous sommes du côté de ces enfants qui ne peuvent pas voir leurs parents parce que monsieur a empêché de fonctionner. Soit ils déposent les armes, soit ils remettent leurs armes et ils reconnaissent l'autorité de l'État. Et ça, heureusement, je suis dans cette posture, je le dis, je le reprends, c'est une évidence. Avec ou sans concertation, ils devront choisir. Et la population doit choisir son camp. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Pas gagner de mesures, pas gagner de demi-mesures dans ça, M. Théodore. Okay. C'est une évidence. Je vous ai laissé parler, M. Desaugustes. Et vous comprenez ça? C'est pour permettre que Mounio comprenne ce qu'on dit. Ou dit que le Premier ministre n'a pas jamais dit qu'il paraît pour dialoguer. Et au bas, explication. On a campé là. Maintenant, nous tous d'accord que étrangers ont déjà dans le pays. Est-ce qu'on connaît qui leur reste à commencer à continuer à venir? Nous connaissons que très bien. En parlant des de Kenyans. Oui, pas seulement des Kenyans. Et non, pas seulement ça. Nous connaissons environ 8 pays qui d'accord participer, mais le gros des troupes, c'est les Kenyans qui ont bâillé. Ok. Parmi les commissions, a proposé de, environ une dizaine de pays. Bon, je vais faire précision ça. Il y a des pays qui abaillent ressources humaines, donc des soldats, des spécialistes, dans presque tout domaine. Parce que l'armée, ce n'est pas seulement l'homme qui porte l'arme ou la femme qui porte l'arme. L'arme, il y a aussi des médecins, etc. Je ne vais pas rentrer dans le champ ça parce qu'il est trop sensible. Il y a des pays, comme on dit, qui abaillent ressources humaines, il y a des pays qui abaillent ressources matérielles, donc logistiques. Il y a des pays qui abaillent ressources économiques. C'est le cas pour les États-Unis d'Amérique notamment, la France, le Canada et tant d'autres pays qui contribuaient donc sur le plan économique et sur le plan logistique aussi dans le cadre des États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire, lorsque nous parlons de 8 à 10 pays, peut-être tout pays ça n'a pas voué contingent, pas voué monde, pas voué ressources humaines en termes de sol là. Nous connaissons que c'est au fur et à mesure aussi que ressources à apprendre. Même si ressources à apprendre de manière générale. C'est au fur et à mesure. Nous n'avons pas une précision sur lui parce que, parmi les que je dis à là, nous parlons de démarches démagogiques politiciennes. Côté que, comme si pour le plaisir d'un homme ou d'une femme, ou bien de l'auditoire, ou by date. Sous pas tout ça, il y a des gens, il y a des personnalités qui disent dans 2 ans, Matissan, on a qu'à passer. Dans 2 mois, je reprends, pardon. Dans 2 mois, voici que 2 ans, 3 ans plus tard, la situation empirait davantage. C'est-à-dire, nous-mêmes, nous avons été équilibrés, mais aussi et surtout conscients de la fragilité de la situation. Au fur et à mesure, ressources à entrer, gouvernement de concert avec le conseil présidentiel là, a déterminé la stratégie de collaboration de la communauté internationale, notamment de la mission multinationale de soutien à la sécurité à Haïti, qui vient en appui à la police nationale et aux forces armées d'Haïti, excusez-moi, et communication officielle a fait, parce que la population aujourd'hui a doué qu'on est, immérité qu'on est, qui s'est fait de destin, parce qu'il s'agit de son destin. Et voilà. Très bien. Maintenant, repose aux questions, même si de manière différente, ma formule est de manière différente, ok? Moi, comprendre que stratégiquement, personne n'a pas qu'à dire, mais qui le, mais qui joue, mais qui date. Ou bien. Opération n'est pas le fait. Ou bien, par stratégie, le gouvernement choisit de ne pas communiquer sur ce point. Il y a une grande nuance. Espérez que vous comprenez moins. Parce qu'il y en a suivi, ou bien il y en a nuance, ou bien rappel que je l'ai fait pour vous et M. Théodore. C'est que intervention, opération par Jean Campé, la police nationale et les forces armées d'Haïti, là, il y a travail chaque jour. Évidemment, il y a besoin de plus de moyens. C'est dans 4 besoins de moyens, ça, que demande mission, ça fait. C'est-à-dire, nous sommes capables de dire qui le et force multinationale là a commencé à accompagner. Mais ils ont commencé à accompagner déjà. Parce que la résolution de la crise sécuritaire, le Premier ministre l'a dit et je le reprends, ce n'est pas seulement une question d'armes. Ils connaissent tout côté, gang. Oui. La cartographie. Attention, l'espace. Monsieur Desaugustes. Monsieur Théodore. Monsieur Desaugustes, ce n'est pas une question d'armes.
seulement. Mais bandits bien campé tout lui-même sous tête mitraillette, sous tête aux îles, l'aptan, sous tête AK-47, l'aptan. Okay. Alors, dans le langage pas nous, nous avons dit sur les mêmes pages de nouvelles, parce que nous avons déjà détruit la région métropolitaine de Port-au-Prince. Non, c'est mais, en réaction à ce que vous dites là. Mais qui ça me veut rappeler? Parce que la résolution de la crise sécuritaire ne se fera pas uniquement par la communauté internationale ou par les Kenyans ou les étrangers. Nous devons être conscients que nous avons des forces de l'ordre qui là, qui m'ont des renforcés. Évidemment, c'est une évidence, on reprend le mot. L'adverbe et le nom, mais il faut que nous ne pas cracher sous force, pas nous. La police nationale, les forces d'armée d'Haïti, M. Théodore, c'est eux permettre moi avec vous nous faire travail aujourd'hui. C'est vrai. C'est-à-dire, il faut que nous reconnaître que nous là, c'est-à-dire, il y a opéré sous permettre moi, chaque jour. Oui, mais d'accord, moi d'accord, mais pour quel résultat? C'est la question que l'on se pose. Aussi petit qu'il puisse être, ensuite, il y a des résultats. Ensuite, M. Desaugustes, Mounio, il y a besoin de combien de temps pour retourner la caillou, les déplacer, les gens qui fuient Carrefour et autres, les gens qui courent, qui étaient pernier, torsel. Est-ce que son mariage a fait dans 3 mois, dans 6 mois, ou bien stratégiquement, nous n'avons pas dit dans combien de temps que les gens sont capables de retourner la caillou? Monsieur Théodore, c'est une question qui revient sur la table à chaque fois. Moi-même, je crois que ça a été fait hier. Et nous n'avons pas de jamais perdu l'espace que construit. Nous qui passé 15-20 ans à construire l'espace qui perdu lit en moins de 24 heures. C'est impardonnable. Et nous condamner énergiquement Zach Malhonnête Silayo. Et puisque chef de gang, monsieur, a suivi nous là, nous t'en dit. Qui ça dit, tête yo, les a regardé des timons qui ont dormi dans l'eau sale, qui ont dormi en bas de pente. Femme enceinte qui a porté timon yo en bas de pente. Qui ça dit, tête yo? Qui ça vous dit tête yo lorsque il y a des gens qui ne peuvent pas aller à l'école? Nous t'avons dit ça. C'est-à-dire, bagaille ça, tu dois résoudre depuis hier et pas tu dois arriver, M. Théodore. Si nous retenons nos questions de date, ok, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, c'est ne pas respecter, si vous me le permettez, c'est ne pas respecter la douleur des gens. Si c'est date, c'est-à-dire ça devrait se faire déjà. C'est-à-dire l'État est en train de mettre la machine en branle. Si je dois vous prendre au mot, il y a un auquel vous tenez beaucoup, l'espoir. Sous Bakal Dimounio que dans 2-3 mois, qu'il y a capable de tourner la caillou, sans faire de vocable espoir à côté utilisé au départ, là, Monsieur Théodore, l'espoir actif me désigne. Au-delà d'un mot. Donc ça, ça parle d'un espoir passif, vous voulez dire moi? Monsieur Théodore. Allez-y, Monsieur Théodore, je vous suis. Moi. Allez-y. Au-delà des mots, il y a des actions. Au-delà des mots, il y a des actions. C'est un premier ministre qui quittait PIA pendant une semaine, qui a cherché opportunité pour PIA. Il dit, regalvaniser la communauté internationale là, sous situation PIA et DIA. Les rencontres parlent d'elles-mêmes. Nous avons invité toute communauté haïtienne à aller sur le compte Twitter, Premier ministre. Nous sommes dans la transparence communicationnelle. C'est un pile d'eau, un pile de confusion. Nous comprenons ça, c'est parce qu'autrefois, ça savait se faire de cette manière. Mais aujourd'hui. Vous parlez de quoi? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont déplacer, régler, ils avaient pas eu, ça fait mon un petit peu. C'est besoin qu'on ait, c'est ça, me l'ai dit. Aujourd'hui, nous sommes dans la transparence communicationnelle. Premier ministre tweeter et expliquer chaque déplacement, chaque rencontre. Chaque intervention. Et puis le kito de pour parler pour les. Et de plus, et dans ce sens-là, vous le soulignez, pour rappeler à la population ça l'a fait. Et qui ça qui mission lui? Feuille de route, la folle marché. C'est un comme t'es capable de zoom. L'offre une composte, ou pas qu'à venir dans le bureau, chita à croiser mon. Faut démontrer que vous valez ce poste qu'on vous octroie. Et c'est ce que le Premier ministre est en train de faire. Il était dit, PIA, il est d'accord pour lui prendre tête gouvernement, il prend lui. Il faut qu'il passe à l'œuvre. C'est-à-dire, l'espoir dont nous parlons, ce n'est pas un vain mot. C'est une forme d'action complémentaire à la situation sociopolitique, sociosécuritaire désastreuse que PIA vit aujourd'hui, à M. Théodore. Nous ne savons pas. Il faut qu'il voit que le Premier ministre a fait des pas. Il faut que vous voyez que le Premier ministre, non seulement fait des pas, a fait des actions aussi. Nous n'étions pas allés de toute rencontre. Nous n'avons pas tourné sur vous. C'est-à-dire, qui s'en a dit? Situation grave. Il était de résoudre déjà. Et jour après jour, gouvernement a pas agi. Et le Premier ministre a dit que le gouvernement pas d'or.